Ouais, elle est pas vie là, l'anxiété monte, hein. Nice. Alors c'était un peu inattendu. C'était vraiment l'attentat à la schlag de la fin du stream là. Alors faut que j'explique parce qu'évidemment si je mets ça comme ça les gens vont pas comprendre. J'expérimente un stuff R avec notamment deux items possédés, l'anneau possédé et la ceinture possédée sur un sacrilleur R pour PVP Coliseum. Avec aussi panneau Illisael, GH, Crocobure et tout, c'est un stuff chimique, bon bref. Et j'ai besoin du coup d'un exo-PM sur anneau possédé avec renvoi de dommages. Le renvoi de dommages, c'est parce qu'il y a une petite mécanique qui est pas très connue mais qui est intéressante en PVP, c'est que quand vous prenez des dommages critiques par un mec qui a un malus de recrit, avec un renvoi de dommage, juste un, pas besoin de plus, vous lui en fait infligez pour chaque ligne de dégâts ce qu'il a en malus de recrit. C'est pour ça que pour tous mes stuff PVP, sur mes exo PM, comme un exo PM pèse 90 et que on peut avoir 101 de poids en over exo, je mets à côté la rune renvoi de dommage qui pèse 10 pour optimiser à fond les stuff PVP. C'est pourquoi je tryhard tous mes items exo PM avec un renvoi de dommage et donc j'avais besoin de ça pour le sacrilleur R. Et comme je suis en Illisael, j'ai 0% de crit, c'est pour ça que je sacrifie la ligne pourcent crit qui est à 0. Comme je suis pour un mode agi et que j'ai aucun sort qui tape neutre, j'ai sacrifié les deux neutres. Et j'ai même pas mis le PO parce que je veux enchaîner les tentats. Il y a un seul sort à PO modif sur un sacrilleur, c'est Rituel de Jashin. Et bon voilà, comment vous dire que le PO il est un peu passé à la trappe. Mais je pourrais le remettre un jour après si j'ai envie de tenter. Et donc bah, je suis assez content, au final c'est quand même un jet plutôt pas trop dégueu ici. C'est quand même pas un item, bon c'est pas un item très compliqué, on est sur le PPO, on a négligé des lignes. Mais voilà, par rapport au tenta que j'ai fait, j'ai accepté de négliger un peu la voie terre, parce que je m'en sers quand même pour mettre des afflux et des supplices avec mon sacrilleur. Mais c'est pour un sacri R, et là on a quand même un jet qui est assez fat, hein, sur tous les trucs dont j'ai besoin. J'ai également besoin du retrait PM, parce que je tape avec Désolation qui est le seul de vol de vie en zone du sacrilleur R qui retire des PM. Donc bah, c'est un item un peu bizarre, mais qui correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. Et évidemment, à chaque fois que j'ai besoin de trucs comme ça, c'est 1-3 dans le commerce. Donc bah, je suis hyper content d'avoir réussi à me le faire ici. Ça me régale, ça me fait vraiment avancer sur les mods là. Et c'est vraiment le petit exo PM, j'allais cut le stream là. Ouah, ça me met trop trop bien, je suis hyper content. C'est trop cool. Voilà, on vient juste avant de faire les baleines à bottes over Vita. Et la notoriété, donc les baleines à bottes ils vont dans le même mode du sacrilleur. Encore une fois, c'est un sacri R, mais il aura quand même pas mal de force avec voilà, le baleine à bottes, deux items possédés. Donc on met des petits supplices pour se régénérer et tout, c'est sympa. Bon, bref, je suis hyper content d'avoir passé cet exo, c'était vraiment. Ça n'a aucun sens. Il est passé de façon improbable, mais ça me fait très très plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite réaction exo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Mais quelle dinguerie! En vrai, c'est ouf. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, je l'ai pas signé. C'est pas de chance. Et merci beaucoup, Zetlam, pour le resub. Merci à toi. Les lovers, on parle moins, mais on est là. Mais je le sais en plus. Je rationalise. Je me dis. Je sais que la majorité silencieuse, elle est là. Elle est fidèle au poste. Et merci beaucoup, Shiver, pour le Prime. Enfin, c'est les effets de groupe, là, c'est bon. Il y en a un qui sub, tout le monde sub.
Incroyable, putain, faudrait théorie crafter le truc. Faudrait que j'ai des complices qui me fassent des faux subs et comme ça entraîne tout le monde à sub derrière. Incroyable. Merci, merci beaucoup. Non mais en vrai, je me fais vraiment la réflexion. Surtout que, enfin moi, j'ai pas mal étudié aussi tout le côté psychologique de l'humain. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe des PA. Non mais du coup, je termine juste ma phrase. En fait, on a un problème d'aversion à la perte et de focus sur le négatif, ce qui fait que entre des messages positifs et des messages négatifs, à la fin, tu retiendras plus les négatifs et tu seras plus impacté. C'est pour ça que des fois, les petits messages sympas, ça fait du bien en fait, parce que ça contrebalance et ça fait qu'à la fin, en termes de mindset, c'est parfait. Ah bien, on a un PA là. Bon, du coup, le G est pas ouf. C'est un peu bizarre de faire des G random comme ça. Là, on est sur du G qui est un peu moins bien que ce qu'on peut appeler du near perf, sans dos neutre. Voilà, c'est pour aller sur un anutrophe terre haut retrait PM, mais sur des modes où je veux avancer assez vite, c'est pourquoi je me permets de faire des G un peu random comme ça, et puis on essaiera de retryhard plus tard des meilleurs G ou de passer des commandes assez ambitieuses pour des G plus conséquents avec des grosses sommes. Mais là, j'ai mon petit exo, je suis content.